All right, guys. So I'm here today to give you some advice on how to rub this old fucker from Iris. It's because this fat burrito ran over my dog. First rule. The most important thing is to stay calm. What's your job, motherfucker? This is robbery! Stay calm. Alright? You know what I'm saying? Big burrito! I don't want to hear anything about any dumb mask. This ain't Hollywood. Go for something simple, easy going. What's your job, motherfucker? It's better to show up at closing time in a casual outfit and blend in just like a nobody. Come on, give me the cash, man. The choice of the language is also very important. Comprendes? If you didn't learn Spanish at school, don't rob a fucking Mexican. No hablo inglés. Or in that case, come with a fucking big weapon. Big one. Dame el dinero, cabrón. Bueno. And don't ever, ever fall in love with the wife of the motherfucker you're robbing. Mama got a little bit of perfume on my neck and she kissed me cheek. And I saw the tears welling in her troubled eyes and she started beating. She looked at a pitiful shadow and she looked at me and took a rapid breath. And give me that bottle of Jack. No matter what happened, keep your eyes on him. And don't turn your back on this bastard of Ramirez. That's what my dog did. Then he got squashed. Ah, shit. And don't forget the most important rule. Don't get caught. Nola Circus, c'est un long métrage à l'initiative de Luc Anest qui a eu l'idée de faire un film aux États-Unis, donc en langue anglaise, même si c'est un réalisateur français, mais qui aime bien cette culture un petit peu afro-américaine, donc autour un petit peu d'un barbershop, sortir carrément du contexte sportif, puisque ben, le film ne parle pas du tout de sport, c'est un long métrage, c'est une comédie, c'est quelque chose dans lequel ben, justement on peut se retrouver, mais en même temps qui est en dehors de ce qu'on fait tous les jours, et donc c'est là que c'est assez intéressant. C'est sûr, je ne suis pas dans ce projet par hasard. Déjà, je me suis beaucoup intéressé au domaine artistique, notamment à la photo depuis pas mal d'années, et puis aussi au domaine cinématographique. C'est quelque chose qui me botte beaucoup, et avoir justement un produit qui sort, qui soit aussi un film artistique et comique, c'est quelque chose qui m'intéresse. Le projet Nola Circus, c'est un projet global, hein. C'est pas juste un one-shot, c'est vraiment sur du long terme. Donc ça, c'est le début, c'est un film qui est relativement petit budget, mais qui a aussi quand même de grosses espérances par rapport à ce qu'on va produire, et puis ensuite ben, continuer et essayer d'avoir une coproduction qui marche et qui fonctionne avec un modèle qui est intéressant. Ouais, avant tout la collaboration a commencé avec ce scénario. Je pense que tous les sportifs ont adoré, et personnellement j'ai vraiment adoré le scénario quand je l'ai lu, et ensuite ben, y a forcément une relation de confiance avec le réalisateur, le fait que Luc prenne ce scénario
et en fasse un très bon film. Pour le casting, déjà, c'est de bon augure. On a déjà Erika Badu qui a un des rôles principaux dans le film, donc ça va nous aider forcément pour la suite. Personnellement, sur ce projet, c'est vrai que l'aspect caritatif m'a tout de suite séduit. Le fait qu'il y ait un pourcentage de la recette qui revienne à des associations d'aide à l'enfance dans différents pays, je trouve que c'est quelque chose qui est extraordinaire et qu'on ne voit pas souvent justement dans le monde du cinéma. Avec le projet Nola Circus, ce qui est intéressant aussi, c'est le rôle que les sportifs vont avoir dans la promotion du film. D'habitude, c'est seulement les acteurs du film, parfois le réalisateur, qui vont faire la promotion avant la sortie du film. Là, il y aura aussi les producteurs, parce qu'on va pouvoir en parler un petit peu partout autour de nous et en faire la bonne promotion. Pour avoir plus d'infos, il faut aller sur le site internet www.1milliondollarsfilm.com.